Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du mode carrière avec l'Olympique de Marseille. Donc dans cet épisode, il y aura 5 matchs, donc il faut absolument finir cette saison avant FIFA 18. Donc on jouera le mois de novembre et le mois de décembre, on réalisera ainsi 5 matchs dans cet épisode. On va jouer Nice, on va jouer Bâle, on va jouer le Real Madrid, on va jouer le Sporting Portugal et enfin on jouera Saint-Etienne. Voilà, le reste ça sera simulé, mais en tout cas on va commencer par Nice. Je vous rappelle le classement, on est toujours deuxième à un point du Paris Saint-Germain, suivi par Toulouse et l'OGC Nice notamment. Donc on va jouer à domicile. Qu'est-ce que c'était le problème déjà, je me rappelle plus. Ah oui, j'avais Albert qui s'était blessé, c'est vrai. Donc on va le mettre en réserve avec Valet qui est arrivé. Le petit nouveau, Pasquier qui est à 77. Il commence vraiment à progresser ce petit Pasquier. Est-ce que je le mettrai, non, je le mettrai quand on simulera les matchs. C'est pas grave. À moins que j'enlève Ounas, que je mette Sanson à gauche, que Sanson qui est vraiment fort offensivement. Ouais, c'est une possibilité. Vu qu'Ounas il progresse pas énormément, honnêtement, pourquoi pas tenter comme ça? Pourquoi pas tenter comme ça? Allez. Allez, on se retrouve au Stade Vélodrome pour affronter l'OGC Nice à domicile donc. Et ça sera un match extrêmement important puisque dans le championnat, on a besoin de points pour rattraper le Paris Saint-Germain qui est toujours devant, à un point supplémentaire. Donc voilà, on voit le classement tout de suite. Et c'est juste cette défaite qui nous a tout simplement empêcher de prendre cette première place et qui nous laisse derrière pour le Paris Saint-Germain. Et donc pourquoi pas s'imposer face à l'OGC Nice qui d'ailleurs n'est pas très loin dans le classement, donc attention pour rattraper le Paris Saint-Germain. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ouh, quel arrêt de Mandanda heureusement là, parce que la frappe elle était vraiment belle. Hein. C'était Balotelli. Non, c'était Pléa, à la scène Pléa. Et Pasquier, pardon. Ouais. Bien sûr qu'à coup franc, ça sera un bon coup franc. Est-ce qu'on fait tirer Thauvin? Waouh. Waouh. Commence à bien s'améliorer en coup franc. Franchement, si je le mettais. Je le sens bien, ce petit Pasquier. Elle est belle. Ouh, le poteau qui vient sauver Cardinal. Oh là là, quel dommage. Et la frappe qui va être captée par Mandanda. On va peut-être pouvoir relancer vite sur Florent Thauvin. Thauvin qui fait l'appel. Thauvin. On se débarrasse des adversaires, mais c'est Nagy qui va prendre ce ballon avec la frappe pied gauche et la parade de Cardinal. Ah, oh, il siffle direct alors que c'est même pas fini. 0-0 face à l'OGC Nice. Malheureusement, on a manqué de pas mal de choses, notamment de précision. Il y a eu ce poteau, c'est vrai, de Maxime Pasquier qui aurait pu être un but sur coup franc, mais malheureusement, on n'a pas réussi à faire la différence dans ce match. Voilà, je pense que de toute façon, c'est la meilleure solution de mettre Da Costa en latéral droit. J'aurais pu repasser en une compo à 3, mais non, je préfère pas changer ma composition, surtout quand on était passé à 3. Il me semble que ça s'était pas très bien passé. Ce qui est sûr, c'est qu'on va jouer, c'est un match à domicile hein, face au FC Bâle. Alors là, ça va être très important de s'imposer, surtout que le Sporting risque de se faire accrocher par le... Va sans doute se faire accrocher par le Real Madrid, donc faut profiter de ça et gagner face au FC Bâle. Allez, c'est parti pour ce match face au FC Bâle, club suisse qui sera difficile à manier. C'est le club le moins fort de notre groupe, mais voilà, c'est aussi ce qui donne une pression supplémentaire puisqu'on n'a pas le droit de perdre contre eux. Et quand on a le Sporting Portugal qui est juste derrière nous, comme on le voit dans ce classement, si jamais ils arrivent à battre le Real Madrid, que nous on est en échec face au FC Bâle qui a toujours 0 points d'ailleurs, eh bien on pourrait se faire dépasser. Donc attention à ne pas faire de bêtises face à ce club suisse et à vraiment prendre les 3 points, surtout qu'on est à domicile. En tout cas, j'ai laissé les mêmes au niveau de la composition que le précédent match. La seule petite différence, c'est Da Costa qui remplace Aguirre, qui est donc suspendu pour cette rencontre. Bien joué ça, là-bas, super.
Thauvin. Oh oui, quel but de Florian Thauvin. 5 minutes de jeu et 1-0. Signé Florian Thauvin. Je pensais pas qu'il allait la mettre, hein, dans l'angle fermé comme ça. J'ai pas tout compris. Je crois qu'il a fait une barre entrante. Mais c'était une frappe surpuissante. Ah d'accord, elle était contrée d'abord. Ok. Oh, pas sûr qu'elle était cadrée. Hein. Bon, ben on le prend, hein, 1-0. Bien joué. Bien joué. Oh, quel but. Quel collectif pour marquer ce but, ce deuxième but à la 20e minute. C'était vraiment très fin. Je parlais plus tellement j'étais concentré sur mon action. Mais voilà, de magnifiques passes et cette finition ensuite. On a complètement transpercé cette défense avec des passes. Et ça, c'était très beau. But de Bazouer. Super ça. Avec le contrôle. Ouh, il était beau le contrôle d'André Silva. Pour le 3-0, signé le portugais André Silva. Pour l'instant, c'est un match parfait. Et c'est bien qu'on mène 3-0 à l'avant la mi-temps. Parce que comme ça, je vais pouvoir reposer certains éléments qui sont un petit peu fatigués. Comme Pasquier. Morgan Sanson, il a fait une super passe. Puis le contrôle orienté d'André Silva, il était magique. Passe pour Nadji. Bien joué ça, super. Ah, j'étais trop... Bon, j'ai marqué. J'ai voulu trop faire de passes là, j'ai abusé dans mon action. Mais c'est pas grave, on a marqué quand même. Là, je dois tirer là, je vais pas refaire la passe. Et but d'Adam, bah, c'est lui qui a marqué en plus Nadji. Le Hongrois. Qui marque le quatrième but. 4-0 face au FC Bâle. Carton plein, franchement, on a fait une très 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 belle rencontre. Bien joué ça, la récupération avec Locatelli. Ah ouais, du coup ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et peut-être que le petit jeune à 54 de général va marquer son but. Et oui, 5-0 face au FC Bâle. Signé Vallée qui était rentré. Putain, il fait jeune. Il était rentré à la 70e suite à la sortie d'André Silva. Et bien là, il va marquer son but. C'est beau pour lui. Je crois qu'il doit être gaucher, ouais. Jonathan Vallée. Première entrée et premier but en Ligue des Champions. Et 5-0 face au FC Bâle, et on les a détruits. Additionnel, hein. Toujours 5-0 pour l'instant. Ah, dommage, Vallée qui a pas pu prendre ce ballon. Et c'est terminé. Victoire 5-0 face au FC Bâle. On va voir le résultat du Sporting et du Real Madrid. Mais en tout cas, s'il y a match nul, c'est pas plus mal. Qu'on pourra peut-être concurrencer le Real finalement. Ah, le Sporting qui a perdu. Bon. Faut voir le. C'est bien. C'est bien. Franchement, on leur met un gros écart au Sporting. On a 4 points d'avance maintenant, je crois. En plus, on a une différence de but énorme. Qu'à le Real pas loin, mais en tout cas, on a une belle note. De manager. 82, c'est pas mal. Reims OM, c'est parti à l'extérieur. J'ai finalement mis une équipe assez compétitive. Même si pour l'instant il y a 0-0 au bout de 20 minutes de jeu. Carton jaune pour Gutiérrez. Ah, ouverture du score signé Locatelli. Et Chavaria pardon, qui a égalisé. Chavaria, et j'espère que Florian Thauvin nous permet de reprendre l'avantage. 2 buts à 1. Pénalty raté de Florian Thauvin. Pas d'égalisation à la fin. Non, c'est bon. 2-1. C'était juste hein, quand même. Mais ça passe face à Reims. Et on va simuler donc ce match avant d'affronter le Real Madrid. Toulouse, ça va être compliqué avec la compo que j'ai mis. Mais franchement, j'ai pas le choix. Je veux faire un bon match face au Real. Après, il y a quand même des putains de joueurs hein, que j'ai mis. Mais en face, c'est une belle équipe. Voilà, bah, ouverture du score d'Ambrose pour l'instant. Ah, un partout, Durmaz qui a égalisé. Allez, un petit 2-1. Puis on est à domicile. 60e, toujours un partout. J'ai pas envie de faire... Ah, Durmaz qui marque. Non, 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 non. Bah, la défaite.
Ah si, putain. Ah, mon turnover. Je l'ai payé. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Le retour du blessé. Oh, dis-moi que c'est à ma vie. Yes, à ma vie. Putain, si j'avais su. Bon. On va jouer ce match face au Real à domicile. Et ça va être un match compliqué. J'espère qu'on va prendre au moins un point. À l'aller, on avait gagné ou on avait fait match nul à l'aller? On avait fait match nul, je crois. Hein. On a eu beaucoup, beaucoup de réussite parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions. En tout cas, on va laisser comme ça pour ce match. Allez, c'est un match de gala. C'est un sacré match. Face au Real Madrid, un club très, très, très compliqué à gagner. Sans doute le meilleur club du monde. Et donc, dans ce match, on va quand même essayer de faire quelque chose, de prendre au moins des points, ça serait bien. Un point ou trois points, sait-on jamais, mais c'est sûr que c'est un très gros morceau. On va essayer de surveiller ce qui se passe également du côté du Portugal. Enfin, je sais pas si c'est en Suisse ou si c'est au Portugal, mais en tout cas, la confrontation entre Bâle et le Sporting, alors qu'on a 4 points d'avance, donc ce qui veut dire que si on fait un. Ben, si on gagne, on est qualifié tout simplement. Ça, c'est sûr. Si on gagne, on est qualifié. Et si on fait un match nul, ben, on n'est pas sûr d'être qualifié, mais on s'en rapproche. Ça passe. Thauvin. Thauvin qui se détache du marquage pour Nagy. Ah, dommage. Bouf, bouf, bouf. Attention, Benzema face à Mandanda et l'ouverture du score signé Karim Benzema. Je disais, fallait qu'il mange en physique et là, Benzema, il est passé tout seul. Franchement, ballon profondeur, mais oh là là, j'ai essayé de tacler. J'aurais dû peut-être rester debout et essayer de passer l'épaule devant tout simplement. Malheureusement, Benzema qui ouvre le score 1-0 pour le Real Madrid. Très chaud. André Silva qui refait l'appel. Allez, le petit ballon! Oh là là, il vient la capter, Navas. Dommage. Ouais, super. Thauvin, allez, allez, Flo. Flo Thauvin. Flo Thauvin! Et le but! L'égalisation à la 82e minute. Signé Florian Thauvin. Quel appel sur le côté. Le ballon, il était pas facile à donner aussi. Je sais pas qui c'est qui a fait la passe, c'est Buzzword, non? J'ai pas vu, j'étais trop dans l'action pour voir qui a fait cette passe, mais en tout cas, c'est Pasquier. Oh là là, c'est Pasquier. C'est Pasquier qui a fait cette superbe passe. Le petit jeune pour Florian Thauvin. Et il fallait la mettre aussi là. Il fallait la mettre. Oh là, Navas, il était pas loin. Il était pas loin, mais quelle est importante cette égalisation. Si Bâle maintient son match nul, on est qualifié dans cette Ligue des Champions. Aïe. Attention, attention, c'est pas terminé ce match. Pas faire de faute. Oh là là, oh non, c'est pas possible, on prend le but juste derrière. Oh. J'y crois pas sur un compte favorable en plus sur un. Ah, ça me dégoûte. Ah, ça fait chier, on avait fait une putain de partie en revenant là. Et là, Isco qui vient nous crucifier. Oh là là. Allez, c'est pas fini, on va tout mettre devant. Ah, il l'a mis dans le dos. Oh non, aïe aïe aïe. Bale, allez, je suis obligé de sortir le goal là, j'ai pas le choix. Ah, oh, Bale qui est passé. Ah, oh là là. Ah, oh, quel dommage, mais quel dommage. Ah ouais, ça pardonne pas le Real Madrid là. Quand tu fais des erreurs comme ça défensives, le deuxième but, je peux l'éviter franchement. Après, bon, le troisième, voilà, c'est suite à la montée de tous mes joueurs. Quel dommage, on y aura cru. Dans cette rencontre, on peut avoir l'espoir que le Sporting s'est fait battre par Bâle aussi. Alors s'il y a match nul, je sais pas du tout à combien on se retrouve, mais s'ils perdent, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que alors un partout. Ah, un partout. Putain, quel dommage qu'on n'a pas fait match nul. Est-ce que un partout, ça nous suffit? Voilà notre groupe. 3 points. 4 moins 1. On a une meilleure différence de but. Mais je sais pas si ça, je sais plus si en Ligue des Champions ça se joue à la différence de but ou ça se joue en fonction de la confrontation. Je dirais différence de but. Mais il n'y a pas un exemple pour voir.
Y a pas deux clubs au même nombre de points là dans le. Si, voilà. Ah ouais, bah là ça joue à la différence de but apparemment. Non, ça joue à la différence de but, hein. Ouais, 3-1 là aussi. Non, 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 ça, la différence de but, ça doit être sans doute après que ça se joue en fonction des confrontations. Ensuite, on va jouer, je sais plus quel match, bah ce sera le Sporting, je crois. Hein. Ça sera le Sporting sans doute le prochain match, et après il y aura, il me semble, un match face à Saint-Étienne pour finir cet épisode. Donc c'est parti pour ce match face au Stade Malherbe de Caen. J'aimerais bien qu'on gagne parce que là j'ai mis l'équipe type. Donc ça serait une très très bonne idée de gagner sur cette pelouse caennaise. Qui plus est, vu que Toulouse nous a dépassé, pour l'instant c'est mal parti. En tout cas 0-0. Ouais, on va bien marquer un but là. Oh là là, oh, c'est pas possible. Ah, oh, mais on perd 1-0 contre Caen avec l'équipe type, quoi. Bon, mais le titre, hein, je crois que ça va être compliqué hein, cette année. On est qu'à la 15e journée, faut pas. Pas désespérer. Pa, pa, pa. Et en plus, on peut se faire dépasser par Rennes. Bon, à domicile, face à 3, là, faut pas déconner, hein. À 1-0, à la 4e minute. Déjà, ça fait du bien, ça me rassure un petit peu. Mais attention, parce que ça peut aller vite. Un petit deuxième rapide. Oh là là, l'égalisation de 3. C'est bon, fort. Merci fort. Il marque pas souvent fort, hein. Il a jamais marqué, je crois, avec moi. Pour 70e. Allez, pas l'égalisation à la dernière minute, hein, parce que sinon, ça nous ferait mal. Ouh là, penalty, j'ai eu peur pendant une seconde. Pasquier qui a marqué sur penalty. Bah ça, c'est cool. Et on va simuler. Et Toulouse qui a perdu. Donc on revient à 2 points, ça c'est cool. Par contre, le PSG a gagné. Ça vient de gagner face à Lens. Mais on a quand même une équipe pas mal, hein. Ah, d'accord. Ok, j'ai rien dit. C'est Maritano qui voulait le score au bout de 7 minutes. Ah, égalisation de Jordan à ma vie. J'ai bien fait de le mettre. Ce serait bien de mettre un petit but là dans cette fin de partie. Ah! Allez, un de partout. Au moins un de partout. Oui, à ma vie. Doublé d'à ma vie. Eh ben putain. Bien fait de le mettre. De sauver les meubles. Ah, c'est chez eux. Ouais. Ils vont peut-être jouer en vert, non? C'est plus logique. Ah putain, évidemment. C'est plus logique comme ça, voilà. Bah c'est bon. Allez, c'est parti pour ce dernier match de Ligue des Champions, en tout cas dans cette phase de groupe. Et ensuite, ça sera les huitièmes de finale. En tout cas, on l'espère, mais normalement, il n'y aura pas de souci pour ça. Le Sporting Portugal va devoir vraiment mettre des buts pour nous repasser devant. Et voilà, vous voyez, je pense que c'est assez clair. Il va falloir qu'ils mettent quelques buts pour nous repasser devant et pour espérer se qualifier au moins 3 en tout cas. Et ça, on va pas les laisser faire. C'est pour ça que j'ai quand même préféré faire reposer un petit peu mes joueurs avant ce match parce que on sait jamais. Bien joué ça. André Silva, je vais tenter la frappe de loin et la barre transversale qui vient sauver le Sporting Portugal. Ça commence bien pour nous. Allez, top 20, ça va être compliqué. Oui, ça c'est bien pour Nadji. Ah, dommage. Bien joué ça. Allez, l'appel de Locatelli, peut-être qu'il est bon. Locatelli! Ah, la frappe qui va passer à côté. Lui qui vient de remplacer Maxime Pasquier. Trop fatigué. Dernière occasion sans doute pour le Sporting Portugal ensuite. L'arbitre qui va siffler, voilà la dernière tête. Il s'agit de ne pas prendre de but hein, dans ce match. Toujours une petite victoire de. Voilà. C'est terminé. Et on se qualifie donc en Ligue des Champions sans vraiment trembler dans ce match. On n'a pas encaissé de but. Voilà, c'était l'objectif. On n'en a pas marqué, mais ça, c'est pas grave. C'était vraiment l'objectif de se qualifier. Après, le reste, c'était un détail. Ah, Toulouse, ils ont gagné. Allez, c'est pas grave. Nous, on va essayer de gagner face à Montpellier, en tout cas. C'est parti. Allez, 1-0 Florian Thauvin. S'il y a 2-0, je passe direct.
1-0, 1-0. C'est la mi-temps. Je sens l'égalisation. Ah non, ça va, 2-0, allez hop, c'est bon. C'est terminé. Victoire face à Montpellier. Et donc, ça fait du bien dans ce classement du championnat. Même si Toulouse a gagné, c'est pas grave. On va jouer avec le 11. Le 11 remplaçant. J'ai eu ça à ma vie, bon, c'est pas grave. Allez, ça va bien de gagner face à Clermont. Match de Coupe de la Ligue, certes, mais toujours bien d'aller chercher une qualification et d'aller peut-être au bout de cette coupe. Ça commence par ce petit match face au Clermont et ça va sans doute partir en prolongation, non? Oh, Jobello, l'ancien Marseillais. Wesley Jobello. Ah, c'est Ané qui sort sur blessure. Ça va, c'est pas un joueur important de l'effectif. Oh, Jobello qui vient marquer. Ounas qui égalise. Ouf. Ça va tirer au but. Ouh là 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 là, c'était juste. C'était juste. J'ai eu peur avec ce but de Jobello là qui vient nous marquer contre nous. Et au classement. Bon, on s'éloigne du quatrième, c'est déjà ça. Le TFC, on va essayer de le rattraper hein, quand même. De février. Oh! On a tiré le Barça! En huitième de finale, ça va être chaud. Ça va être chaud. Putain. On verra ça plus tard. Nous, on va jouer notre match face à Saint-Étienne. Mais en tout cas, on a tiré du très très lourd. Et ouais, on va jouer comme ça. Oh oui, Bazoer. Le contrôle, il est bon et la frappe. Quel but de Bazoer. Au bout de 2 minutes de jeu, je sais qu'il a une très grosse frappe. Et là, il vient le rappeler sur ce but. 1-0 face à Saint-Étienne. On commence très très bien cette rencontre. Avec ce magnifique but. Le petit crochet. Et la frappe pied droit. Oh là là, elle est belle. C'est son combien là? Troisième but. Et je crois que c'était que des long shots lui. Ah. Allez, va la prendre, va la prendre. Bien joué ça. Ouf. Ah bah, j'ai toujours le ballon. On va en profiter. Et pourquoi pas marquer? Dommage, ça passe au-dessus. Bien joué ça pour Florian Thauvin. On va tenter l'enroulé. Dommage, c'est repoussé par le gardien. Attention, et ouais, putain, mais c'est pas possible. On a dominé tout le match. Ils ont tiré une fois, mais ils ont marqué. Il y avait 7 tirs, enfin non, c'est le deuxième tir. 7 tirs à 2, ils arrivent à marquer, quoi. Ah là là. C'est Beric. Bien joué ça. Super bien joué. Allez encore avec Thauvin le contrôle. Oh, quel dommage. Allez au pressing. Eh ouais, c'est terminé un partout face à Saint-Étienne malheureusement. On ne s'est pas imposé sur cette pelouse. Pourtant on a largement dominé. On va le voir, voilà. 10 tirs à 1, bah, il y avait marqué 2 tirs tout à l'heure d'ailleurs, c'est jamais pareil hein, selon FIFA. Alors, on a 11 points de retard sur le PSG, on a 6 points de retard sur Toulouse et on a 7 points d'avance quand même sur Nice. Donc voilà. C'est pas dégueulasse au niveau comptable non plus, faut pas voir le mauvais côté. Il nous reste 19 matchs donc rien n'est fait, franchement rien n'est fait. Et je vais avancer jusqu'à cette période de mercato et je vais vous quitter. Voilà, bon, on va se quitter sur ce début de mercato. J'espère que cet épisode assez long finalement vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Maestro. Ciao, ciao les gars.